construire les pseudo-arguments religieux des scrutateurs, construire les messages, être dans l'action et ne plus répondre, surtout, et recenser toutes les questions que la société française se pose. Tout ce projet va se faire en trois temps. Le premier temps, c'est pendant les vacances, je dirais, scolaires. On va faire une étude, des enquêtes en interne, en externe, pour savoir quelles sont les priorités dans ces axes, parce que tout ce que je vous ai dit, c'est pas faisable en deux ans avec les moyens qu'on a. Et on doit tous les traiter, on ne sait pas comment, il faut les traiter par contre. Donc on verra quelles sont les priorités des uns des autres. Donc déjà, on va analyser toutes ces demandes pendant le mois de juillet-août. En septembre, je vais proposer qu'on en débatte au niveau du bureau, et en octobre, qu'on propose une feuille de route, je dirais, à l'Assemblée Générale. Il faut essayer de limiter le mandat. Nous sommes là, nous ne sommes pas là pour être éternels, 10 ans, 12 ans au CRCM, ça suffit, baraquette comme on dit. Hein. Il faut quand même un petit peu. Il y a la place des femmes, elles n'y sont pas pendant 3 mandats, il faut que ces femmes aient leur place. Il faut la place également aux jeunes. Moi, je me considère parmi les anciens, je dois tirer ma révérence. Et certaines doivent également suivre l'exemple. On n'est pas là éternellement et on n'est pas là pour occuper des fauteuils. Et surtout quand on voit. Comment que ça se passe? Mais et encore une fois, pendant 2 ans, il y a un travail très important qui a été fait. Et en plus, comme il a dit Anouar Kibesh, le président du CFCM sortant, ça a été une période très difficile. Il y a eu tous ces attentats où le CFCM a pris sa part, où on a été même menacé par Daesh parce que nous avons condamné les actes terrorisme. Tout le monde l'a condamné. Nous avons mené des actions concrètes, on a parlé tout à l'heure des journées portes ouvertes dans les mosquées avec, autour du thé de la fraternité. On l'a fait une fois, ça a eu un succès phénoménal et nous avons décidé au niveau du CFCM d'avoir 2 rendez-vous dans l'année pour réitérer cette expérience qui va être des rendez-vous tous les ans. Ça sera le premier week-end du printemps et ça sera les journées du patrimoine.